Alors, on est au sud, un peu au sud du 16e, à côté du pont d'Arguello. Et c'était l'ancienne gendarmerie du 16e. D'accord. Voilà, donc là, on passe d'une population de gendarmes à une population de migrants qui arrivent, demandeurs d'asile ou de réfugiés. Plus des familles en situation précaire aussi qui sont arrivées. D'accord. Voilà, qui sont hébergées ici. Donc, 350 personnes. La particularité du lieu, c'est qu'on a aussi des structures partenaires qui sont là, donc c'est des artisans, artistes, des start-up. Tout le monde en fait se rencontre ici dans la cour, qui est un lieu d'échange assez important. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on a un barbecue là, qui est en route, là, par là-bas. À la base, c'est un chauffe-eau qu'on a récupéré. Et les pieds, ça vient d'une exposition qu'il y avait au Quai Branly. Du coup, ça donne ça. C'est les salariés en insertion qui ont fabriqué le barbecue, ouais. Non, c'est incroyable, c'est une bête de course. Là. Et puis, c'est surtout la première fois qu'on utilise ce barbecue qu'on a fabriqué à la bricole. C'est donc, quoi la bricole? La bricole, on crée du lien autour du bricolage. Les gens viennent pour bricoler, mais aussi pour apprendre à bricoler. Et ce qui est très important pour les résidents, c'est qu'ils arrivent tous avec des compétences, avec une histoire, avec un ancien métier. Et là, ça leur permet de faire des choses. Ça leur donne la possibilité de reprendre confiance en eux. On va essayer de nettoyer l'autre côté. C'est comment ton prénom? Monsieur Vendredi. Monsieur Vendredi? Ouais. Monsieur Vendredi, ça veut dire Juma en arabe et c'est mon prénom. Ah, c'est super classe. Ouais. Alors que les amis français disent Monsieur Vendredi et moi j'aime bien son prénom aussi. Vous gagnez un mot en arabe. Hein. Ah, okay. Ouais, Juma, Vendredi en français, c'est bien aussi. Hein? Ça, il va falloir tester en situation réelle, comme on dit, mais c'est un petit havre. Non, c'est un endroit tranquille. On se sent apaisé ici. Ouais. C'est vrai. C'est un petit village et puis en plus il n'y a pas toute la circulation et tout ça, donc peut-être que ça. Et puis il y a des gens qui vivent aussi ici. Donc. Mmh. Hamid, il est spécialisé, on va dire, dans les vélos. En fait, il rachète des vélos, il les retape. Ouais. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Un futur entrepreneur dans le vélo, je pense. Tu arrives bien à penser les choses aussi, à comprendre. Quand tu as un problème sur un vélo, tu vas trouver la pièce sur un autre, tu vas la monter. Vivi. Et oui, toi aussi, tu as plein de bonnes idées. Merci, toi aussi. j'ai appris toutes les choses de vous. Bah non, pas que. Everything is possible by Gilles. Ah, ok. C'est quoi en France? Tout est possible. Tout est possible. Avec Gilles. Yes. 3, 2, 1. C'est parti, allez! Une fois par mois, on organise des ateliers de cuisine collaboratifs entre les habitants de la caserne et les habitants du 16e. On organise des dîners aussi pour les personnes isolées du quartier. On les fait venir, on les invite à notre table. On fait des dîners caritatifs aussi, où on invite des chefs qui viennent ici. Et c'est, en fait, toutes ces choses sont des prétextes pour créer du lien. Et nous, ce dont on est témoin depuis qu'on existe, c'est que l'accueil est bienveillant et que les citoyens sont actifs, en fait. Et c'est beaucoup plus facile et concret d'avoir de l'espoir quand on a les mains dedans et qu'on voit qu'en fait les choses se font. Les initiatives existent, les gens sont solidaires, sont bienveillants, enfin voilà. Après, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que voilà, il n'y a pas de problème avec les voisins, il n'y a pas d'insultes racistes de temps en temps pour nous sur les réseaux sociaux. Mais franchement, c'est à la marge par rapport à tous les camions d'amour qu'on reçoit, quoi. Et de la matière grasse. Un peu d'œuf. On favorise le hasard, on va dire ça comme ça. C'est un peu ce qu'on pourrait dire et un peu définir comment on serait un tiers-lieu. C'est de favoriser les rencontres de personnes qui, en temps normal, ne se rencontreraient jamais. Et ce lieu favorise véritablement ça, parce qu'on est dans un endroit relativement restreint et donc on se retrouve très très souvent dans les mêmes espaces. Et les espaces nous donnent de la créativité, en fait. L'idée, c'est aussi d'avoir une ouverture sur l'extérieur. C'est un peu notre savoir-faire. On peut dire que ça fonctionne, ouais. Voilà.
Je vous amène à l'atelier d'art-thérapie de la structure 4A. Et on va essayer de trouver, c'est ça l'idée? Ouais, on va essayer de trouver. Je pense que c'est ici. Ah oui, c'est ici, ok. C'est bon. On a trouvé. On a cherché un peu. Ah, on est au bout du couloir. Bien. On est en art plastique, essentiellement. On crée des dispositifs avec des consignes. Et oui, donc, on s'adapte au public qu'on accueille, en fait. Qui a fait ça? Des femmes du CHU, du centre d'hébergement d'urgence qui est au Saint-Ouen. Voilà. Avec qui on a donc mis en place cet atelier. On est en art-thérapie toujours sur des chemins de traverse. C'est-à-dire qu'on affronte, oui, on n'est jamais frontal avec le symptôme ou la problématique. On est tout le temps sur des choses de contournement. Donc, ce qui fait que la personne va baisser un petit peu ses résistances et laisser remonter des souvenirs, des émotions. Là, en tout cas, on leur propose avec une ombre portée de travailler sur le contour. Quand il y a le trait du profil, ouais, et qu'elle se voit, c'est extrêmement puissant. Elles sont toujours très émues, en fait. T'habites le quartier? Oui, j'habite le quartier, à deux rues d'ici. Okay. C'est un des seuls endroits peut-être du quartier où les gens peuvent se mélanger, où il y a des personnes différentes, où il y a vraiment puis plein de choses nouvelles, de créativité, et c'est ça que j'aime bien. Un lieu un peu foisonnant d'idées, c'est ça que j'aime bien. Ce soir, vous allez faire la connaissance des fourberies de Scapin. Et je vois tous les participants comme c'est des héros, quoi. C'est des gens qui vont travailler loin dans des zones qui sont complexes.